Première question, c'est quoi le drift? Attendez. Oh, mais c'est tellement bon, le soleil est de retour. Sous le soleil. Excusez-moi, je me suis emporté. Et puis si je veux pas qu'il pleuve, les vrais de vrais de mon année connaîtront cette musique, cette série de merde. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est le drift? Une de mes figures favorites. Le principe du drift est de faire patiner sa roue arrière tout en glissant et en penchant vers la gauche ou vers la droite et de tenir cette glisse ou cette dérive le plus longtemps possible. Womp 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 womp. Après, il y a plein de possibilités en drift. Tu peux te mettre dans toutes les positions et utiliser les membres que tu veux pour faire ton drift. Puis les membres de ton corps que tu veux. Bon, petit conseil avant de commencer. Bon putain, elle est chaud. Elle est chaud. Donc tu montes sur la moto, hein, normal. Bien serré les jambes contre les réservoirs, toujours pour vraiment se tenir sur la moto et faire corps avec la moto. Seconde petite astuce, bien serrer le guidon fermement. Car si vous lâchez le guidon, c'est la catastrophe assurée. Enfin, je pense. Hein. Autre petit conseil, et un des plus importants. Quand vous faites du drift, toujours garder un filet de gaz, comme ceci. Ne pas faire ça. Parce que si vous faites ça, vous allez voir que vous allez vous prendre une raquette. Toujours garder un filet de gaz. C'est mieux de tomber à gauche et laisser tomber la moto que lâcher les gaz et se prendre à ISAT de l'autre côté. C'est là qu'on se casse des petites clavicules. Je vous ai montré déjà sur la dernière vidéo une satellisation à quoi ça ressemblait. Bon, c'est parti, passons au côté pratique, messieurs, mesdames. Je vais vous expliquer comment faire des drifts. Je vais vous expliquer comment faire des drifts en deux étapes. La première étape va être de commencer son drift à l'arrêt et de maîtriser votre glisse. Seconde étape, déclencher son drift en roulant, en appuyant sur le frein et sur l'embrayage et en lâchant l'embrayage au bon moment pour déclencher votre drift tout en gardant le meilleur gaz possible pour pouvoir rester en glisse. Allez, on commence. Première étape à l'arrêt. Donc on s'arrête, on pose bien un pied sur le sol, on tourne le guidon vers l'intérieur, on penche bien la moto, embrayage déclenché bien sûr, prêt à mettre le gaz. Une fois que vous êtes en position, vous lâchez l'embrayage brusquement en mettant du gaz abondamment, je dirais à mi-régime. Et le but du jeu au début est de garder votre glisse pour faire un donut, un drift très serré, en gardant toujours le guidon vers l'intérieur. Ensuite que vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez commencer à mettre le guidon à l'opposé pour élargir vos drifts. Plus tu mettras ton guidon à l'opposé, plus tu élargiras ton drift et plus il faudra mettre de gaz. Petite chose que je n'ai pas précisé, il va falloir jouer avec son guidon. Comme je vous ai expliqué, plus tu mettras ton guidon à l'opposé d'où tu veux tourner, plus tu élargiras tes drifts. Mais il faudra toujours faire des petits gauche-droite, gauche-droite pour maintenir son drift en quelque sorte, entre l'accélérateur, le gaz, ton équilibre, en gardant au début, bien entendu, le pied bien au sol pour garder une stabilité. N'oubliez pas, restez toujours avec un filet de gaz, c'est vraiment important. Si vous ne gardez pas un filet de gaz et que vous avez tendance à complètement couper les gaz, vous allez faire un high side et ça fait mal. Ensuite, pour la deuxième étape, ça sera super simple. Si vous maîtrisez parfaitement la première étape en déclenchant votre drift à l'arrêt et que vous avez compris comment maîtriser votre drift de façon linéaire, que ce soit pour élargir ou revenir serré, il vous suffira juste d'apprendre à déclencher votre drift en roulant. Et une fois que vous serez en drift, ça sera comme la première étape si vous l'avez maîtrisé parfaitement. Donc on accélère un tout petit peu pour prendre de la vitesse.
Au moment où on a pris de la vitesse, on embraye, on appuie sur le frein au pied ou sur le frein à la main, tout dépend des préférences, hein. Je m'en fous. Et on penche vers la gauche ou vers la droite, tout en mettant son guidon vers l'opposé. Car tout le monde sait, on tourne à droite, on va à gauche. Et une fois que nous sommes penchés et en glisse, il vous suffit juste de lâcher votre embrayage brusquement en mettant du gaz à mi-régime pour déclencher votre drift. Au début, je vous conseille de garder toujours le pied au sol pour avoir un peu la notion. Et après, ça va tout seul. Si vous maîtrisez la première étape, je n'ai plus besoin de vous expliquer. Mais je me répète, n'oubliez pas de ne pas lâcher les gaz brusquement. Gardez toujours un filet de gaz. Après, moi, je dis ça, hein, parce que ça fait mal, hein, Highside. Après, maintenant, il ne vous restera plus qu'à vous entraîner à gauche et à droite pour maîtriser cette figure parfaitement. Ensuite, vous pourrez commencer à faire des tricks dans tous les sens, des tricks de folie, un peu comme un petit singe. Voilà, vidéo drift de base, c'est fini. C'était notre dernier tricks de base que je voulais vous apprendre avant de passer aux choses sérieuses. Avec des tricks de dingue. Je suis complètement débile. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'étais clair dans mes explications. Comme toujours, je ne suis pas clair, il y a toujours quelque chose que j'oublie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est fait pour ça, ou m'envoyer des messages. Je suis là pour ça et je suis prêt à répondre à tout ça. Et surtout, j'oubliais, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je suis beaucoup plus présent. Et là, maintenant, il y a un camion qui passe, ça fait du bruit à de mort. Merci, merci le camion. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des likes ou des dislikes ou vous abonner à la cloche. Je prends toute critique positive et négative pour pouvoir m'améliorer et vous faire des vidéos de plus en plus de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis... À la prochaine.